Il y a évidemment une mise en scène très impressionnante. Donc bonjour à tous, je m'appelle Didier Plantin, je suis prof d'histoire géo au lycée Marie-Yvonne Cointrin dans Calvados. Donc moi je dis un coup de gueule dans les établissements d'enseignement parce que ça se dégrade très fortement. Hein, maintenant les élèves c'est des vrais tyrans. Qu'est-ce qui se passe pendant les cours notamment? Eh ben, les élèves, ils lancent ce genre de projectiles, hein, qu'on appelle comme une gomme, et qui balance avec force et vitesse vers la personne qui leur enseigne notamment la géographie, c'est-à-dire moi-même. Ils lancent avec une force tellement puissante que cela me fait faire des fautes d'orthographe au tableau. Également, les élèves se mettent de plus en plus à lancer des objets qu'on entend dans, à partir des objets comme ceci, qu'on appelle des feuilles blanches. Comment font-ils? Ben, je vais vous montrer le procédé ultra violent. Ils en font une boule. Une boule de papier comme ceci, et comme avec l'objet contendant que je viens de vous montrer, balance avec force et vigueur, comme ceci, vers le professeur de géographie, en l'occurrence moi-même. Donc, je veux pousser un coup de gueule auprès des ministères de l'Éducation nationale, hein, où d'ailleurs j'ai écrit une petite lettre de manifeste mention. Pour dire que toute la violence et la dégradation des cours d'histoire géo, en l'occurrence moi. Donc voilà, j'espère que mon coup de gueule apportera ses fruits et changera l'orientation éducative de ce établissement scolaire. Merci. Merci pour moi. Ça suffit. Hein. La violence, non. Et grâce à toi, entre autres, on a beaucoup ri.